l'édition des documents tels que les fiches de notes ainsi que la liste des inaptes aux examens de PS se fait à partir du portail Arena. Dans Examens et concours, vous trouvez la gestion APSnet. Vous cliquez sur Gestion des candidats. Vous accédez à votre portail. Donc, si votre établissement comporte plusieurs types d'examens, général technologique, bac professionnel ou CAP, vous devrez entrer sur chacun des modules, générer vos fichiers, puis vous déconnecter, vous reconnecter, aller dans le module suivant. Je vais aller sur le bac pro, je rentre sur ma session et je vais dans le module gestion des candidats. Ensuite, je vais dans le menu édition suivi des notes. Je demande une édition des notes par ordre alphabétique. Je valide. Alors, selon l'event navigateur, soit une fenêtre d'enregistrement s'affiche et vous choisissez le répertoire dans lequel vous voulez enregistrer votre fichier qui va s'appeler candidat.pdf. Il est possible sur d'autres navigateurs que le document s'enregistre automatiquement, par exemple dans le dossier mes téléchargements. Donc ici, je renomme le fichier en candidat bac pro, j'enregistre et je vais en profiter pour éditer la liste de mes inaptes. Donc je vais dans le module édition des inaptes. Je vais cocher la case « Tous » pour avoir un seul document qui reprend toutes les inaptitudes. Et je clique sur « Éditer ». De la même façon, je sélectionne mon répertoire. Je renomme mon fichier en « Inapt Bac Pro » et j'enregistre. Voilà, la procédure est terminée pour l'édition de ces deux types de documents. Je peux ensuite donc me déconnecter de PSNet en cliquant sur « Quitter » et je peux me reconnecter pour aller ensuite générer éventuellement mes documents administratifs pour le bac général technologique ou pour les CAP BEP.